Bonjour à YouTube. Regardez, on a vaincu les démons démoniaques des enfers et on a trouvé le chemin. Il suffisait de suivre la carte. Je suis la carte. Ah, et retour avec Fisson. Il est ici. Si c'était vampire, tu aurais tué le jeu. Non. Vous inquiétez pas, les critiques de ce jeu arriveront à la fin du jeu. Je me mords la lèvre, pourquoi? Je ne sais pas. Oui! Non mais... La plateforme... Il veut pas. Vous connaissez la définition de la folie? C'est reproduire plusieurs fois la même chose en espérant des résultats différents. Ben là, j'ai répété 3 fois la même chose, 4 fois la même chose, et j'ai eu un résultat différent. J'allais dire pour la peine, je vais attaquer mon fils. C'est mon fils, ma bataille. Par contre, change de tenue, hein. Sincèrement, fiston. Oh. Utiliser le miroir du destin, d'accord. Yeah, ok, pas d'autre choix, visiblement. Oh, super, on va refaire un puzzle. C'est pas là. Oh, je suis déçu. Ça va là. C'est quoi le petit bout alors? Ah, c'est celui-là. Pas du tout. Et je cherche le petit bout. C'est celui-là. J'en suis sûr. Si, regardez. Voilà. C'est perspective. Surtout, n'hésitez pas à crier au génie, je répondrai. Le mec a des ongles plus longs que les tiens. Ah ouais, mais il s'en sert aussi pour retirer des cœurs. Alors je sais pas si toi aussi c'est ton but à terme, mais dans ce cas-là, peut-être... Incroyable! Ça doit être pratique pour se curer le nez, mais en même temps, ça comprendrait, ça expliquerait le goût du sang pour Dracula en fait. C'est depuis tout petit, il a les ongles super longs, à chaque fois il se gratte le nez, du coup ça le fait saigner, du coup son sang va dans la bouche, et il a pris le goût au sang. C'est l'origine des vampires. C'est les ongles longs. Voilà, mesdames, ne mettez pas des faux ongles. Oh ! In the name of Satan, Lord of the Earth, King of the World, the King of the North. Sympa les soirées barbecue chez eux. Palpatine, ouais, il a changé, hein. Petite crise d'adolescence, les boutons sont apparus. Oh! Stylé! Oh, il va le tuer. Obligé. Et son surnom, c'était Gorge Profonde. Maintenant... Oh!
Ce stream est 18+, cette vidéo également. I despise incompetence. I must congratulate you. I confess. I had not expected to see you here. Satan. We could share this world. You and I. Ok, je te laisse les mers, je prends les terres. En vrai, il y gagne. Mais bon. But you desire to destroy me. Ah, RE2, le remix. Enfin, le remake. Je le ferai. Je le ferai, je sais pas quand. Je le ferai, je pense. However, I desire to destroy this world. Cinématique. Ah voilà, typiquement l'enfant qui veut pas partager ses jouets quoi. Yes. Stop him before he escapes. Fait-il? Ah, si tu me confirmes qu'il est pas trop mal. Quel est ce... Oh mon Dieu! Une plateforme géante! Ah, génial! J'aime la vie! Et bien sûr, voilà, il y allait avoir du pu. Aïe! Oh, mais si je sais faire que perdre des HP, ça va! Ah, mais non! Ouais, ouais, oh là, il est lent, Gabi! Ah! Désolé, hein, là je recouperai pas les cinématiques, je vous rappelle, pas lâcher la manette. Vous verrez ma gueule. Bon, si vous avez supporté l'autre qui s'est fait dévisager, si je puis dire. D'ailleurs, c'est le vrai terme de dévisager. Vous pouvez bien supporter la mienne. Genre. C'est quoi? C'est les chaînes qu'il faut prendre? Oui. Interaction, chaîne, saisir. Merci. C'est les rênes. Oui. Go back to your left. There's an access that will allow us to reach the back of the beast. Ok, go back to the left. Super. Alucard est devenu un GPS. Les fessons. Oh, c'est chiant, vous pouvez pas faire une animation fluide. Voilà. Oula, caméra 1, caméra 2. Oh, vas-y, occupe-toi des sbires. Hein. Ah, c'est bon, je suis arrivé. Je suis arrivé à destination, moi, ça va. B. Ah, d'accord. Faut d'abord finir les serviteurs de Satan. Satan a vite, comme on dit. Hein. Wow. Tu fais quoi, Pousson, là, en attendant, parce que... Comment ça, vous avez envie de vomir? Je vois pas du tout où vous parlez. Oh la vache! Ça c'était douloureux comme attaque hein.
super. Bah, il a fait tout le travail, hein, mais... Sin's legions must not stop us. Ouais. Le mec badass. Je suis sûr. Monster Hunter, ça a bien changé hein, quand même. Oh, je peux le cacher. S'il y a un QTE, tant pis. I'm a fire in my laser. Au moins tout le monde aura de la viande. Et là, il n'y a pas à se demander si c'est halal ou pas. Facile le jeu. Oui, j'avoue. Oh. Ah, look at this falling down. Falling down. Falling down, ah look at this falling down, my lady. Comme tout à l'heure, je disais que j'allais taper sur Fiston, visiblement ça va être le cas. Allez, style, classe. Come closer, son. I want to embrace you. I like this body. Let's see what it can do. Uh-oh. Your son wants to serve me. Why don't you? Par contre, aïe. Par contre, aïe un peu quand même. Comment ça, il me parle des One Direction, c'est ça? J'ai pas très bien compris. Ah, j'allais dire, est-ce qu'il y a des attaques dans l'eau qui sont... Je pense qu'il faut que je reste à une certaine distance, finalement. Ouais, par contre, les patates de forain, on en parle ou... Je crois que... J'ai l'impression que... Watch. Je vais le laisser un petit peu plus attaquer.
Mais ça va un peu? Ah. Oh, mon fils m'aime pas. Oh, oh. Bah, il a qu'à retourner chez sa mère. Voilà, hein, c'est. Bataille d'esquive. Hein. Salaud. Il part un peu trop à mon goût, hein. Il est où? Il est où? Aïe. Putain, on se tourne autour sans se toucher, vous voyez, c'est un vrai combat de Jedi, c'est psychologique, hein. On le sent psychologiquement faible. Sérieux? Couteau de cuisine! Couteau de salle à manger! Il y a de trop rares occasions où je peux lui caler des vrais dégâts. Oh, j'ai raté le QTE comme un con! Ne pas lâcher la manette. J'ai dit un mot. Ne dites pas qu'il avait. Ouais, ouais, c'est ton fils qui souffre et pas toi. D'accord. Ok. Ok, ça touche. Non, c'est pas vraiment un viol. Là, c'était mieux, mais c'est à base, vous savez, le, c'est les combats à la Naruto. Substitution, quoi, tu sais. Ok, on va passer ici toute la soirée. Retour au combat depuis le début. Ok. En fait, faut pas que j'aille au sol. Enfin... en l'air. En fait, faut être patient, c'est tout. Vous savez que patient, c'est ma spécialité. Aïe. Comme vous pouvez le voir. Oh, après, on a plein de... Je pourrais utiliser plein d'items, mais bon... On est là pour faire un combat honnête. Aïe. Ok. Voilà. Honnête, peut-être pas. Hein. Ce coup-ci j'ai réussi. Est-ce que ça c'est un peu mieux? Ah oui, d'accord, en fait faut qu'il charge et là tout de suite c'est des meilleures saveurs. D'accord. À la rigueur, faut que je le laisse charger.
Ok, je vais... Ouais, je triche, mais j'ai le droit. C'est super bien de faire ça en fait. C'est la meilleure façon en fait de tout récupérer, c'est ça? Quand il charge, c'est trop bien en fait. Ah ouais, non, ça c'est pas cool. Pas juste ça. Et je tourne et je tourne et je tourne et je tourne. Je me ferai toujours avoir par le... Allez, tu veux pas... Putain, je vais t'obliger de... Je crois que je l'ai eu. Oui, là, ce coup-ci, je l'ai eu. Donc, repasse à la forme... Vous sentez le décès qui va arriver? Putain de merde! J'ai pas le timing pour les esquives, hein! Satan can no longer hide. And now I will destroy him. Your hate for me gives you a direction deep down inside. You need. Aïe! J'essaie de mieux assimiler ces... Voilà, ça je sais que ça se part. Voilà, ça à la rigueur, mieux vaut se laisser frapper. Parce que c'est super cool. Je me suis relevé tout droit au lieu de... Et ça, j'ai pas sauté. Vous voulez rire? Je crois que le deuxième coup, lui, il est parable. Faudrait que je le fasse. Ouais, j'ai pas essayé, là. Voilà, là je préfère carrément me laisser me faire toucher. Aïe! C'est la normale. Ça, j'aurais pu l'éviter. Allez. Ah, je savais que le deuxième, je peux essayer de le counter. Ok. Concours d'esquive. Alors, c'est à quel timing? Timing, pardon.
Attendez, est-ce que ça, ça marche? C'est-à-dire, dansons la carmagnole. Voilà, il y en a plein de bien chez nous. Ah, c'est même... même pattern? Même pattern. Nice. Aïe. Ah ouais, non mais... Allez! Encore? Ok, renonçons le carmagnole alors. Visiblement, c'est le rythme, hein. Dansons la carmagnole, y'en a top là chez nous. Je connais pas les paroles, hein. Si vous connaissez, mais si, merci de me les écrire. Se faire toucher par ça, c'est agaçant, je sais que ça vient. Attendez, je voyais rien, il y avait un petit peu trop de fumée à mon goût. Le long de choc. Join us, Gabriel. Ah, redansons la carmagnole. Voilà, si vous vous demandez comment faut faire, ben voilà le... Ah non, si. Si, voilà le timing, c'est danser la carmagnole. Presque. Ah, là, il fallait. Ah bah non, mais si je vais dedans aussi. Je vous fais tout de suite parce que sinon je vous le dis dans la conclusion du jeu, pas assez de dialogue dans les combats. Enfin, pas dans le sens il faudrait qu'ils parlotent à la Dragon Ball, ils s'arrêtent 5 minutes de se fouter et ils se parlent. Non mais les mêmes paroles qui reviennent en ne me tape pas papa. Non, 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 non. Bon, il devrait pas tarder à y passer. Voilà. Alors, je vais tâcher de pas lâcher la manette. Alors maintenant, Satan, tu sors de mon corps de fiston. Hein. Je sais que c'est un émo, il te plaît, mais on va lui trouver une belle copine à Lucard. Ah ben non, il en a déjà une puisqu'il a eu un fils. Bon, il est marié. Oui. Ouch. Il ressemble beaucoup à un skin de Vladimir, ton fils. Oui. Tout à fait. I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me.
Il n'avait pas dit à un moment dans un dialogue, au dernier moment, choisis ta famille. Tintin. Dommage, il aurait dû y avoir un QTE là. C'est aussi facile que ça de tuer Satan. Arrache-lui les ailes, pour déconner. T'as tué une mouche, tu peux bien t'amuser avec. Allez fiston, on va se retrouver autour d'un verre de sang et tout ira bien. Que les crucifix tuent aussi les archanges, oui potentiellement. Pourquoi lui il a pris full impact dans la gueule et pas nous? De l'eau aurait suffi je pense. Ah. C'est vrai, tout ça en une nuit. Alors est-ce que vous allez briller au jour, comme dans Twilight? Tu vas tenir ta promesse et me tuer. Ils vont saccager la ville, rendre les humains tous esclaves et s'en servir comme bouffe. Bon bah nickel, on a tué Zobek, on a tué Satan, on est le roi de la montagne. GG well play. Et on peut se tuer en plus. Parce qu'on a le... Oui, la série Supernatural, oui, alors ça par contre, je sais, mais il y a 12 saisons ou un truc comme ça, donc... Hein? 12 saisons à rattraper. Et oui, il paraît qu'elle est très 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 bien. Et c'est la fin du jeu! Incroyable! D'accord, je m'attendais à une phase 2. Ok. Bon, peut-être, voilà, boss de fin un peu... Bon, je veux pas dire de souvent, mais voilà, je m'attendais à affronter Satan, mais... Bon, alors, comme d'hab, les critiques du jeu quand la fin du jeu intervient. Nettement mieux que le premier. Déjà, première chose, au moins, enfin, on peut bouger la caméra. Donc ça, c'est un énorme progrès par rapport au premier. En fait, tous les reproches qu'on pouvait faire au premier ont été corrigés, je pense, en partie, en tout cas, dans le 2. Donc la caméra, la rigidité, etc. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, les points positifs, bien sûr, les musiques, ça, il n'y a pas de souci. Les graphismes sont encore très corrects. Le gameplay est pas trop dégueulasse, mais c'est aussi un... Alors, il est plutôt bon, mais il y a un côté aussi négatif, c'est que, vous avez bien vu, j'ai acheté plein de capacités, je m'en suis pas servi de la moitié. En fait, le jeu n'est absolument pas exigeant, je suppose qu'il l'est dans les niveaux de difficulté supérieurs, mais en tout cas, voilà. Et au niveau des sauts, je regrette peut-être un peu le bruit des chauves-souris trop présent quand on veut faire un saut.
au niveau de l'histoire, alors déjà, oh là, mon Dieu, ça fait du bien. Enfin, ok, le mythe de Dracula, blablabla, oh, je suis torturé, oh là là, je suis Gabriel Belmont, boubou. C'est déjà quand même nettement mieux que dans le 1. Je veux dire, là, c'est Dracula, il est torturé, il retrouve son fils. Enfin, Zobek, ce côté un peu badass, qui avait pas du tout dans le 1. Gabriel Belmont, oh, je suis la lumière, un peu le paladin, un peu relou. Voilà, le 1, c'était Gabriel, c'était Superman. Le 2, c'est Batman. Voilà, c'est le mec un peu plus sombre, un peu plus la nuit, un peu plus sympathique. En reproche d'autres que je pourrais faire au jeu, le système qu'ils ont adopté, alors c'est à la, comme je dis, c'est à la fois un point positif par rapport au premier mais négatif par rapport à la suite, ils ont souhaité faire ça en sorte de map, sauf qu'il y a deux mondes, donc deux maps, et finalement voyager entre tout ça est un petit peu chiant, mais c'est déjà mieux que des couloirs. Et par contre, je regrette qu'ils aient pas fait un système plus Metroid, c'est-à-dire si on voit des bonus, mais on n'a pas la capacité pour les avoir, exemple le double saut, la brume, etc., eh bien, j'aimerais que le scénario ou l'histoire me force à repasser par ces passages une fois que j'aurai la capacité pour les obtenir. C'est-à-dire, la première fois, on passe devant, on fait « mince, je peux pas l'avoir », on continue l'histoire, hop, on revient, et à ce point-là, on peut le récupérer finalement dans le sens retour. C'est voilà, c'est un petit peu ce principe-là. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il faut se souvenir où ils sont et aller les parcourir via la map pour aller les récupérer. Mais on peut aussi les acheter, si on fait suffisamment de fois le jeu et qu'on a suffisamment d'expérience, on peut les acheter au Chupacabra. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref, le New Game Plus... Bah, en fait, je vois pas trop peut-être l'intérêt du New Game Plus, mais après, ce n'est que moi. Toujours est-il, nettement mieux que le 1. Très bon jeu, on va dire, je pense, à l'époque, à Zobek avec Patrick Stewart. Oh, Patrick Stewart, la classe! Oui! Mais en tout cas, voilà. De tout mater. D'accord. Ça, c'était marrant. Voilà, en tout cas, c'est tout pour Castlevania. Je vais regarder, je crois que j'ai des DLC, je vais peut-être les faire, mais en tout cas, c'est tout pour l'histoire de Castlevania 2, Lord of Shadow, ou plutôt Castlevania Lord of Shadow 2. Il n'y a pas de 3 pour l'instant, peut-être qu'ils le feront, mais voilà, le 2 est, je pense, un bon renouvellement un petit peu de la licence Castlevania. Le 1 souffrait de trop de défauts, mais voilà, il s'est joué, il était sympa, le 2 est nettement mieux. Des bisous YouTube. Voilà, nous avons terminé Castlevania Lord of Shadow 2. Satan a été vaincu, mais vous pouvez continuer à jouer, améliorer vos caractéristiques. New Game Plus et les modes de difficulté supérieurs. Voilà, chose qui est un peu plus commune dans tous les jeux vidéo. Vous commencez à en avoir l'habitude. Au revoir YouTube, des bisous.